Ah oui, alors les origines et la préhistoire, en somme. Les origines, c'est 1982. Et la préhistoire, c'est la fréquentation des bouquinistes, le goût du livre. Un travail aussi que j'ai fait pendant presque 4 ans à Paris, j'étais libraire, dans une librairie de musicologie, donc une librairie spécialisée. Ce qui n'est pas du tout le même type de travail que dans une librairie généraliste. Mon idée à moi, c'était, qui était vague au début, m'a conduit peu à peu, mon idée de l'édition, vers l'édition de type scientifique. C'est un bien grand mot et un peu prétentieux, mais enfin ça veut dire des éditions, s'il s'agit de textes oubliés ou de dossiers sur tel écrivain, nous venons d'en publier un sur Cientard par exemple, ou bien de correspondances inédites, ou bien de rééditions de livres du 19e qui sont recomposés, annotés, présentés avec une préface, un index. Bon. Tout ce qui tourne autour de l'organisation de l'édition d'un texte, qui a besoin d'être accompagné par un discours critique, ou d'un appareil critique complet, ça, effectivement, ça m'intéresse. Voilà, là, ça c'est un livre. Je ne vais rien voir si je me laisse le papier cristal. Il y a un papier cristal parce que c'est un tirage numéroté, limité. Donc c'est un livre un peu précieux, un peu cher. En général, je les habille de cristal, mais je vais l'enlever pour vous. Alors il s'agit d'un livre sur Céline au Danemark. C'est un livre qui a été fait par deux auteurs, Mazet et Pécastin, dont je suis simplement l'éditeur. Donc là, je ne me suis pas mêlé du contenu. C'est pour moi, c'est un livre assez bien fait, qui fait bien le tour de la question, puisque Céline était en exil au Danemark pendant plus de 6 ans. Et ces 6 ans sont minutieusement décrits par les deux auteurs. Et surtout, ils ont pris la peine d'aller sur place se documenter, prendre des photos, acheter des documents ou scanner des documents anciens pour pouvoir faire un livre qui montre à la fois les conditions intellectuelles, ce que Céline a pu écrire là-bas, avec qui il correspondait, quelle était sa bibliothèque sur place, des choses comme ça, mais aussi de montrer beaucoup d'images avant et après, c'est-à-dire avant, pendant son existence sur place, et des photos actuelles pour montrer l'évolution des lieux. Comme je le dis souvent, ça c'est vrai, quand on se met en tête d'être éditeur, on ne sait pas ce qu'on va faire. On a une idée, deux idées, trois idées, peut-être une dizaine de livres, un programme qu'on se présente à soi-même ou qu'on présente à des instances si on veut avoir des conseils ou des aides, mais en réalité, on ne sait pas du tout ni combien on va faire de livres par an, ni quel tirage il faut faire, sauf que si on a des petits moyens, on est forcément limité, ni surtout quelle direction va prendre le catalogue. On ne le sait qu'au fur et à mesure. C'est une espèce d'apprentissage perpétuel. Il y a, je sais pas, par exemple, il y a 10 ans, jamais, puis pour reprendre le thème du dictionnaire, jamais j'aurais pensé faire un dictionnaire, et jamais j'aurais pensé avoir la chance de faire un Baudelaire par Pichois, qui pour moi était une sommité, notamment baudelairienne, mais pour tout ce qui est le 19e. Qui était un peu au-delà de mes espérances d'éditeur. Je pensais pas éditer ce nom sur une couverture d'un des livres que je ferais. Donc les choses en fait se mettent en place un petit peu comme malgré soi. Bon, évidemment, il y a une ligne directrice
qui peu à peu s'affirme et se précise, et qui écarte certaines choses. L'éditeur, en fait, il construit son catalogue en faisant des choix, toujours. Donc, en fait, il refuse beaucoup plus qu'il n'accepte. Sinon, son catalogue deviendrait un fourre-tout, ou bien la production deviendrait pléthorique. Il faut essayer de faire attention à ce qu'il est possible de faire dans une année, quoi. D'abord, matériellement, ça, il faut le temps de réaliser des ouvrages. Et puis, il faut que intellectuellement, ça tienne la route du point de vue de l'assemblage. Vous n'allez pas faire un livre touristique sur le vignoble du Cognac et puis après une étude sur Balzac, quoi. Enfin, si, pourquoi pas, mais plus un éditeur est petit, c'est-à-dire plus ses moyens sont réduits, plus son catalogue doit être cohérent et centré sur des centres d'intérêt dont il ne sortira pas, ou s'il sort, c'est progressivement et c'est consciemment pour aller pour créer autre chose à côté. Bon. J'aime bien les écrivains qui, comment dire, qui sont pas forcément détestables totalement, mais qui présentent un certain degré de révolte, bon, ou d'asocial, ou de, et par leur comportement, mais ça c'est annexe. Par leur production, mais surtout par leur style. C'est-à-dire que pour moi, la personnalité de l'écrivain, c'est le style, quoi. Tout écrivain est un qui compte est un styliste. Ça ne veut pas dire quelqu'un comme Henri Poulaille, pour parler d'un écrivain prolétarien, parce que j'aime beaucoup cette littérature, alors que j'en ai jamais publié une miette, c'est plutôt la spécialité de Plainchant, dont je parlais tout à l'heure. Bon, ça ne veut pas dire qu'un écrivain qui est dépourvu de puissance stylistique comme l'était Poulaille, puisqu'il écrivait comme un pied, mais c'est quand même intéressant. Ou de l'écriture très blanche, style Marguerite Duras, dont je parlais aussi tout à l'heure, ça peut présenter pour certains un attrait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Un type de style qui est acceptable et puis tous les autres qui sont à jeter. C'est pas ça, c'est que selon la personnalité du lecteur aussi, bon, ben, il y a une proximité ou non. Alors, pour moi, la proximité, c'est effectivement des styles forts, marqués, très marqués. Celui de Siantar l'est, celui de Vallès, évidemment, l'est aussi. Celui des naturalistes des fins de siècle l'est différemment, non pas par la violence, mais par la surcharge, donc qui est aussi une violence faite au langage. Bon, et évidemment, le style de Céline, qui est une révolution absolue de l'écriture en prose et du lyrisme français, dont on n'a pas fini de mesurer encore les conséquences. Alors là, c'est une revue qui paraît chaque année, ça s'appelle L'année Céline. Jean-Paul est un spécialiste de Céline, et donc chaque année, il édite une revue. Moi, le contenu, je vous en parlerai moins bien que lui. Mais qui résume l'activité célinienne en France par rapport à cet auteur-là. Là, c'est un livre qui va faire 350 pages à peu près.
Et dedans, on a des reproductions couleurs, bah, de courriers, des choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait des publicités, des timbres en couleur. Et tout ça, ce sont des documents anciens qu'on produit. Voilà. Il y a une chose qui est très agréable, c'est de voir le produit fini. On maîtrise pratiquement la chaîne en entier. Depuis la PAO là-haut, enfin, je pense que vous l'avez vu avec Étienne, qui lui saisit les textes. Après, il y a une petite étape qui nous échappe, mais on s'occupe de tout le reste sinon au niveau de la fabrication. On imprime, on plie, on colle, on relie, on coupe. Donc on voit le produit fini. À partir du manuscrit pratiquement, on termine le livre. Vous pourrez faire des plans sur la réserve, là. C'est bourré à craquer, là, c'est marrant. Hein. Vous pouvez faire un plan là-dessus. Les ennemis du livre. J'aimerais bien qu'il y ait des ennemis du livre dans votre film. Le pire ennemi du livre, c'est le libraire. Parce qu'à force de tripoter des livres, il les abîme, forcément. Il les laisse tomber, il arrache maladroitement un bout de couverture. Donc c'est l'ennemi principal du livre. Est-ce que c'était important pour vous l'idée de justement avoir d'une certaine façon toute la chaîne du livre ? Oui, c'est amusant. C'était pas une obligation, mais c'est amusant. Ça se trouve comme ça. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, on achète du papier, que vous verrez dans l'imprimerie, par tonne, qu'on le transforme, qu'on produit des livres, mais qu'aussi, du fait de la formation par les bouquinistes tels que je vous les présentais tout à l'heure, on finit aussi par recycler du vieux livre. Bon. Le vieux livre, c'est quand c'est du petit livre, comme ce qu'il y a sur les tables ici, ça s'appelle de la bouquinerie. Quand c'est plus chic et plus cher, ça s'appelle du livre ancien, mais enfin c'est toujours la même chose, c'est du livre qui a passé des années, voire des siècles, entre différentes mains et qui finissent sur la table du libraire ou sur son catalogue. Et ça permet, oui, ça permet de boucler la boucle un petit peu, mais ça permet aussi pour moi de préparer ma retraite, parce que c'est moins fatigant de faire de la bouquinerie que de fabriquer des livres. Un cahier, une feuille voilà, qui m'arrive brute en fait. La machine fait donc ce premier pli. Ici, une petite perfo pour que le livre soit moins. Pour chasser l'air dans ce pli-là qui serait gros autrement. Et donc après, je fais des tas évidemment du tout premier cahier, tout le deuxième cahier, tout le troisième cahier. Et l'assemblage que ce que je faisais donc tout à l'heure. Qui reste la seule partie pour moi faite vraiment manuellement. Voilà, là j'ai fait un livre. Voilà, là j'en ai un. Ensuite, il est cousu. Voilà. Donc, il est cousu. Il donne ça. Et la particularité qu'on a déjà évoquée, c'est qu'il n'est pas massicoté. Il reste comme ça. Là il est fini. Pourquoi ces choix très. C'est un choix esthétique, d'abord. Il me semble qu'un livre ouvert au goût de papier, je le disais tout à l'heure, n'a pas du tout la même allure qu'un livre qui a été massicoté, qui est non cousu et massicoté, qui est un livre fait pour faire des piles sur une table de librairie. Parce que les piles tiennent bien. Nos livres, nous, ils ne tiennent pas bien si on les met en pile. Il faut les mettre tête bêche. C'est ce qu'on apprenait d'ailleurs il y a 50 ans, même plus sans doute, aux apprentis brocheurs ou aux magasiniers. On leur apprenait à faire des piles. Donc un dans un sens et un dans l'autre, toujours. Toujours, toujours. Toujours. Maintenant, avec des livres non brochés, vous pouvez faire la pile, vous pouvez monter à 1 mètre de haut, elle va tenir debout, parce que le livre est parfaitement plat. Quoi.
Alors c'est peut-être un problème, mais esthétiquement, je trouve que ça n'en est pas un. Et puis, d'un autre côté, pour le lecteur, qui, s'il n'est pas très bien informé, peut très bien nous dire « Mais votre livre, il n'est pas fini, ça nous est déjà arrivé. » J'ai même vu ça en librairie. Quand j'ai travaillé en librairie, une dame rapportait un livre qui était non coupé, un vieux livre, hein, non coupé, il disait « Mais il n'est pas fini, votre livre. » C'est une façon de rentrer dedans aussi, de l'ouvrir au coupe-papier. Parce qu'on a le choix, ou bien on l'ouvre d'un bout à l'autre, moi c'est ce que je fais d'habitude, ou alors on le coupe à mesure de la lecture. Mais les deux sont possibles. Il y a une approche différente, quoi. Moi je fais ça, mais ça ne veut pas dire que ça sera comme ça encore pendant 30 ans. Ça peut très bien changer. C'est plus, évidemment, c'est plus commode de se mettre dans les pantoufles de celui qui a précédé, mais je pense que c'est pas très souhaitable. Enfin, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que tel que l'entreprise est organisée aujourd'hui, d'une manière à la fois collective et indépendante, comme l'a dit Catherine, ça, c'est en place. Avec ou sans moi, c'est en place. Donc il y a toutes les possibilités pour que ça continue. C'est mon père qui prend pour l'instant les décisions de publication, mais après, on discute, on pense à la date de parution, voilà, des choses comme ça, mais c'est pas... Non, puis bon, nos goûts sont pas dissemblables, en fait, donc... C'est vrai que, bon, je me suis peut-être, par mes études, parce que bon, j'ai fait des études... de sciences politiques, donc je me suis intéressé un peu à la philosophie politique, à la sociologie, enfin des ouvrages qui ne sont pas du tout au catalogue des éditions du Néro, donc c'est sûr que ça serait peut-être bizarre de vouloir publier des sciences humaines aux éditions du Néro, mais bon, peut-être que j'aurai l'opportunité, peut-être pas.